Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle démo aujourd'hui sur Princess Peach. J'avais envie de faire cette démo. Bon, le jeu est sorti il y a un petit moment et tout, mais est-ce que c'est grave, non? Allez, on va couper la musique. Et on va partir sur la démo. Je pensais qu'il y en aurait plus, mais il y en a quand même 11, je crois, sur Switch. Enfin, ça va, quoi, genre. Je pensais qu'il y en aurait plus. Tu veux que je fasse toutes les démos disponibles sur Switch ou ça se passe comment? Genre... Allez, il y a 100 démos dans le catalogue Switch et je fais les 100. Non, mais je compte pas faire toutes les démos. Tous les jeux ne m'intéressent pas. Déjà, je vous avoue que celle de Monster Hunter, je la fais pour faire plaisir. Hein. J'aurais jamais eu envie de la faire, sinon... Hein. Vraiment. Quand on va voir la démo d'un jeu obscur, je sais pas si j'aurais pu avoir un jeu obscur. Hein. Wow. Je reste là, je dois me doucher, un peu me bouger aujourd'hui. Oh, putain, ça marche, Knick, profite bien de ta journée en tout cas. Puis merci pour le lurk, merci beaucoup. Je vais pas passer mon temps, je vais pas passer 6 mois à sortir des démos sur YouTube non plus, tu vois, entre deux, j'ai envie de faire des jeux complets, entre deux. Entre deux, j'ai pas envie d'être frustrée de me dire, putain, trop bien le jeu, je peux pas l'acheter. Enfin, entre deux, j'ai envie de faire un jeu que je peux finir, quand même. Pas juste être frustrée H24. Enfin, le théâtre de l'étincelle. C'est ici qu'on fait du Queen's Blood? Non, c'est pas le même jeu, hein. Je peux sauter dessus? Non. Je suis triste un peu. Pourquoi il a un nez d'une couleur différente? Et lui aussi. Mais j'ai pas envie de faire du théâtre, moi. Todd, il a Libby, let's go, il est où? J'ai perdu Todd, il est là. Trop bien la surprise. Hein. La grappe maléfique, c'est ça la troupe. Le nom de la troupe est incroyable. Hein. Oh non, ma couronne! Bah non, ma couronne! Oh bah non! Ma couronne de princesse! La grappe maléfique, non mais vraiment ce nom. Fallait appuyer, pardon. Ouais, vas-y, dis-moi c'est quoi le problème. Des petites masquettes très bizarres sont en train de mettre notre pièce en dessus. Moi, pourtant ça avait l'air de bien se passer. Oh, ce serait vraiment dommage qu'on rate la pièce de théâtre, hein, vraiment. Est-ce qu'on voit le vrai visage de la méchante à la fin, en vrai? J'aimerais trop. Et là, c'est Harmony, non? Oui, je veux revoir Harmony dans un jeu, ça n'arrivera pas, j'ai l'impression, mais... On pouvait pas faire Princesse Harmony en jeu plutôt que Princesse Peach, non? Je veux pas te forcer la main, mais... mais... Dans MK, c'est tout, ouais, ça dégoûte. Hein. J'espère qu'elle sera au moins dans le film Mario 2, quoi. Il y avait les Luma dans le 1, peut-être. Il y avait le meilleur Luma dans le 1, d'ailleurs.
Me semble que la méchante se nomme Lily, mais... le meilleur perso... Ah ouais, le Luma, là. Le Luma psychopathe, un peu, là. Oh, c'est Stella. Putain. Ça me fait penser au camping de mes grands-parents. Hein. C'est pas très loin de Stella Plage, du coup, ça me fait rire. Ouais, moi, c'est Peach, ouais. Ouais. Hôtel camping, et moi, je suis un fruit, vraiment, c'est trop... On voit, je peux pas rester sans appuyer sur les touches de la manette quand il se passe rien, parce que du coup le petit truc s'affiche pour passer alors que je veux pas passer, mais... la fille insupportable. Bon, est-ce que les démos Switch seront plus longues que les démos PS5 qu'on a fait il y a pas longtemps? Oula. Bah en fait ça va être une pièce de théâtre par truc, par monde, je sais pas. Bon il est blessé, il dit juste aïe hein, ça va non? T'as compris quoi? Qu'est-ce que t'as compris? Oh le pouvoir de l'étincelle, c'est quoi? Fais voir. Le pouvoir de m'attacher les cheveux. Tu peux utiliser l'étincelle à travers ce ruban. C'était aussi simple. Ah ça y est, je suis un peu libre de mes mouvements. Je suis en train de me dire, je vais spammer ça partout en fait. Je peux rien faire. Là. Qu'il raconte lui, son débarqué attaqué, ouais. Toi tu parles pas, t'es nul. Je peux y aller là? Non. Vraiment, on va vivre une pièce de théâtre, je crois. Bah non, ils ont l'air sympas comme tout. Qu'est-ce que tu racontes? Voyons. Je veux la thune hein, quand même. Bah ça va, j'avais déjà vu comment on sautait hein. Ils veulent pas venir eux. Oh ouais la thune, je dis rien. J'imagine là où le truc regarde, le mec masqué, non? Ça fait quoi, ça? Quelle surprise! C'était trop dur à deviner, hein. Oh, une gemme d'étincelle. La preuve de mes efforts remarquables. C'est vrai que jusque là tout ça, il y a tout ça à récupérer, c'est beaucoup hein. C'est beaucoup je trouve hein.
Putain, c'est vrai que j'ai vu des gens dire qu'ils avaient rendu Peach grassouillette dans ce jeu. Je cherche encore le gras sur Peach. Hein. Parce que putain, si elle est grassouillette, je sais pas comment je dois me sentir. Hein. Je... pas être pessimiste, hein. Oh, il est trop fort. Je me sens invincible. Alors, faut pas dire ça. Ça me rappelle un souvenir. Ça... Moi, sur Xeno 3, bien sûr, qui disait que je me sentais invincible. Et juste après, ben... Il s'est passé des choses, quoi. Je peux pas... Non. Il m'empêche de passer, je suppose. Non, je peux y aller. Mais je peux aller là-bas aussi, putain. Je peux aller à trop d'endroits. C'est un open world, je suis perdue. Si seulement les pays c'était là. Il peut pas venir? Il était où, lui? Va là-bas, toi. Rends-toi utile. Bah, je suis plus que grassouillée. Putain, bah, moi aussi, hein. Laisse tomber, hein. Quoi, mais je peux aller là aussi? Oh, c'est jeu... Il y a trop de choses. La thune. La thune. La 3D aussi. J'ai absolument aucune idée de ce qu'il vient de me donner. On voit nos objets, il y a un menu. Attends, je fais quoi là? Ça a un intérêt dans le jeu de pouvoir faire ça? Je sais pas ce que à quoi sert le truc que j'ai récupéré. Juste après le boss, on vérifie ton invincibilité. Non mais moi j'oserais plus dire ça, mais non, j'avais dit qu'avec l'épée je me sentais invincible et tout, puis on a vu ma vie défiler et je suis morte. J'aurais pas dû dire ça quoi. Vas-y, défonce-le, deviens plus fort. Bah toi aussi deviens plus fort là-haut. Trop bien. Oh, il y a une ambiance ici. Ouais. On va l'utiliser, ouais. Il y a pas autre chose à faire avant. Je pense pas. Hein. Putain, ça devient la reine des neiges. Oh, ça va. J'ai eu peur. Hein. Je vais devenir sa robe bleue, je suis en mode oh non. Elle est stylée comme ça. En fait, Peach, c'est Kirby. Des fois, elle change de pouvoir. Sans l'inspiration. Ça va être un jeu bourrin. Il y a un truc en bas. On les ramasse tout seul, ça, ok. Je peux pas aller là. Non, je peux pas aller là.
score Peach cuisinière dans la démo, je sais pas, je crois qu'elle y est en plus, hein, mais... Oh, c'est stylé. Je voulais voir quand même. Bon, il vient ou quoi là? Allez, j'ai pas le temps. C'est bourrin. M'attendez pas à un jeu bourrin. Genre, c'est un jeu Peach, je me suis dit, c'est comme Mario, il va y avoir beaucoup de plateformes et très peu de fun. Pas vraiment, mais... mais voilà. Enfin, avant de tout casser. Non, je peux casser ça. C'est quoi, là? Je sais pas à quoi sert cette lumière. Ah, ok. Baston! Je peux pas les casser? Non. Sur Princess Peach, le jeu sur DS, c'est le cas. De quoi c'est le cas? Que c'est un jeu bourrin? Ah, de plateforme! Enfin, par contre, maintenant, quand ils vont faire un jeu Mario, il faut sauver Peach. Bon, on est enfin un jeu comme ça où elle défonce tout le monde. On va pas beaucoup y croire. Hein. Il va être chiant, lui, je sens, avec son gros marteau là. Ah, c'est très réduit comme espace. Tu peux pas enlever ton bouclier, s'il te plaît? Laisse-moi passer! Au secours! C'est tout? Je pensais qu'on allait devoir faire 2-3 fois quand même. On aura des jeux plus remplis que Sandland. Ça, c'est pas difficile, hein. Pas difficile de faire ça, je crois. Malheureusement. C'est la Dark Soulisation de Mario, ça. Ouais, voilà. Hein. Ils vont jeter sur moi. Eh oh. Eh oh. Non. Bah, descendez, non. Eh oh. Pourquoi il peut pas descendre? Je peux faire un truc? Oh, c'est tout? Ça pop en boue? Merde! Tu es foncé dessus. Revenez! J'ai pas tapé tout le monde! Reviens! C'est la fille, j'ai pas tapé tout le monde là-haut! Ouais, ça pop en boucle aussi. Oh, c'est pas drôle, hein. Approche un peu trop près, je crois. Il est trop bien le jeu, il est bourrin.
C'est validé du coup. Imagine à la fin de jeu Mario, on voit Peach prendre le thé avec le grand méchant en entendant Mario défoncer le dit méchant devant Mario. Oh, ce serait incroyable. Je veux ce jeu. Ouais, le château est à nous maintenant, ouais. Ok, Gandalf. Je peux pas taper ça? Si, je peux taper ça. Fallait sauter! Moi, je t'ai occupé à tout à fait. Hein. On récupère de la vie avec ça. J'ai cru voir. Ouais. J'étais pas sûr. Oh, on peut pas taper ça! Faut esquiver pour taper! Le jeu m'oblige à esquiver pour taper, c'est nul! Ok, faut esquiver pour taper. C'est un peu triste. Je peux pas juste bourriner, quoi. C'est trop dommage. Hein. Oh, il y a deux tentacules maintenant, attention, hein. Ça rigole pas. Hein. Ah, je pensais que ça allait être trois fois aussi, mais non. Ok, ok. J'ai tapé tout le monde, heureusement qu'on pas cette phrase de couramment. Ouais, non. Tu vas être dans la rue et tout, là. Non. Thank you very much. Ah mais le ruban c'est peut-être juste un collectible comme ça, du coup. Ouais voilà. On a 169 pièces, c'est beau. Bon pour l'instant j'aime bien, en tout cas. C'est un peu bourrin tout. Mais par contre, un truc me fait peur. Si c'est par pièce dans la salle de théâtre... Mais le jeu est court. Non? Par contre, ça me fait un peu peur. Sa durée de vie, ça donne quoi? Attendez. Je suis curieuse du coup sur le site là au long. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Ah ouais! Oh, j'en ai avalé ma salive de travers! Ah, effectivement, il est très court! Durée vie pour le mode histoire, 7 heures. Et pour le 100%, 18 heures. Ok. Ah ouais! Ah, ça m'aurait fait chier de le payer. C'est Sonic en fait, tu payes le jeu 60 balles pour 7 heures de jeu quoi. C'est comme Sonic. Combien? Putain, ouais, je m'y attendais pas. Ah ouais, c'est court. J'ai pas lu, du coup, je sais même pas si je peux encore faire des trucs. J'ai... Ah mais je peux y aller? Mais y a que 7 heures de jeu, hein. Me faites pas faire toute la démo. Hein. Ouais, là c'est fermé par le ruban de toute façon, donc je peux pas. 7 heures, ouais, heureusement que t'as fait la démo avant. Bah, dans tous les cas, j'aurais pas acheté le jeu, je peux pas. Déjà, j'ai dû annuler les deux seuls subs survivants chez qui j'étais sub. Non, parce que j'ai pas lu ce que t'as dit avant. Ah, bah ouais, si c'est gratuit, donne. Ah, viens là, parce que t'en auras plus besoin, ouais. Ah, je peux aller en bas, mais non. Non.
Franchement, quasiment 10€ l'heure de jeu. Ouais, non, je comptais pas l'acheter dans tous les cas. J'aimerais bien, mais je peux pas. Mais en plus, j'étais en train de me dire, ça m'a interpellée. Je me suis dit, si c'est par porte et que c'est aussi rapide à chaque fois, ça va aller vite. Effectivement. Bon, en tout cas, on aura bien la cuisine. Mais en fait, l'indice, il est en haut de la porte à chaque fois. Il y a là, et puis ouais. Ouais, en fait, le truc est en haut de la porte. Donc là, votre truc cuistot, là. Putain, je suis choquée. Mes premiers degrés, j'ai pas fait semblant. J'allais vraiment m'étouffer, du coup, quand j'ai vu ça. Ah ouais. Putain, t'imagines, j'aurais eu de la thune comme avant, là. Genre, je me serais acheté le jeu en me disant, oh, vas-y, il me plaît, j'achète. Enfin, ça me tente, j'achète. Puis j'aurais fait comme Superstars. J'aurais été en mode, ah, ça termine si vite, le jeu. Ok. Mais il devrait laisser qu'un monde en découverte, pas deux, du coup. Parce que s'il y a la moitié du jeu en démo, bon... Mets-le en free-to-play, du coup, pour cette heure de jeu, non? L'enfer. C'est une chouette masquée à la place. Bah je veux bien mais je dois faire quoi? J'ai plus de pouvoir là non? Je peux danser? Ah non je peux même pas danser. Je dois faire quoi? J'espère qu'on me l'indique hein, quand la démo est finie. Je vous remercie d'avoir joué, voilà quoi. Ah, je dois faire ça en fait, j'avais oublié. C'est vrai que j'ai récupéré ce truc là du coup. Alors vous pouvez faire tout le jeu dans la démo. L'enfer hein. Mais quand tu vois quand même le 100% c'est 20h, t'es en mode bois ça va du coup moi. Viens ici toi bâtard. Je pensais dessus là vraiment. Ah je peux pas le faire se relever lui. Oh non, les biscuits ont été volés. Oh. Le boss final est dans le jeu complet. Ce serait terrible. Hein. C'est trop facile de récolter les ingrédients, vraiment. C'est tout. Faut que ça comme ingrédient. Heures de jeu. Je vais pas m'en remettre. Hein. Depuis tout à l'heure, dans ma tête, c'est en mode ah ouais, quand même, si court. Je vais pas m'inquiéter sur la longueur de la démo, du coup, je pense. Hein.
prendrais Doka sur le bon coin. Hein. Ouah, quelle pâtissière tu fais. Ouais. Ouais. Je préférais l'épéiste quand même. Hein. Par contre, les biscuits pour les visiteurs, on fait comment? En plus, vous avez vu comment c'est long pour passer à la suite à chaque fois? Heureusement, du coup, sinon ça ferait pas 7 heures. Hein. Ouais, je vais être mauvaise langue après. Hein. Ouais. Ouais, ouais. C'est overcooked. J'adore ce jeu. Hein. Ah, c'est tout, c'est juste appuyer sur B. Ce... Je voulais essayer, c'est trop drôle. Non, tiens, prends les biscuits. Bon, j'essaierai pas tout le temps, mais c'était marrant. Quoique, est-ce qu'on le referait pas en vrai? Ça, c'est overcooked en moins bien, quoi. Il est où le chariot là-haut? Plus vite! Pardon, je regardais pas ce que je faisais. Mais j'adore, c'est très drôle. Là, je regardais, c'était totalement volontaire. J'arrête, j'arrête, j'arrête. C'est quoi tout ça? Attends, reviens avec ton chariot, viens, attends, viens. Ils auraient pu demander conseil à Nomura pour étendre à l'extrême la durée du jeu. Quel enfer. Après, je préfère 7 heures de jeu où il se passe des trucs que voilà. Que 30 heures de jeu où en 7 heures, c'est bouclé concrètement, quoi. Vu comme ça, bon. Est-ce que tu peux encore nous aider? Oh. Je comprends pas que les agriculteurs se plaignent alors que c'est aussi simple de récolter du blé. Quelle angoisse. Les gros gâteaux sont cuits, mais quoi? Et puis une seconde à perdre. Qu'est-ce que tu vas me faire faire encore? Décore les gâteaux comme sur... Oh! Je préfère les faire que les décorer, je suis nulle en déco. Pourquoi j'ai une balançoire? C'est comme ça qu'on décore les gâteaux. Mais quoi? Voilà, j'ai fini. Pas du tout là qu'il fallait le faire, mais je peux faire. Non. C'est pas ce que vous croyez. Je me suis un peu ratée, mais. Ah, c'est fini! C'est pas du tout comme sur le dessin, il m'a dit superbe! Ouais, superbe, ouais. Waouh. C'est pas esthétique qu'il faut juger, mais le goût. J'ai voulu faire une bite avant sur le gâteau, mais c'était pas facile en vrai. C'était vraiment pas facile, hein. Merde, pardon, j'ai visé à côté. Ouais, c'est à peu près là, quoi.
À peu près, hein. Bah, ça a l'air bon, hein. C'est presque ma bite de tout à l'heure, ça, je reconnais. Hein. Ils ont voulu copier, là. Oh, je vais jamais le réussir, celui-là, trop dur. Hein. Quelle idée de faire un gâteau qui pivote, aussi, hein. Quelle idée, quoi. Hein. Voilà, j'ai fini. Franchement, le gâteau où j'ai fait ma bite tout à l'heure, c'était mieux. Ça... Non, mais trop hâte d'avoir ce gâteau dans le film, aussi, hein, vraiment. J'ai pas le temps. Voilà. Il me dit que là, c'est pas ce qu'il y a sur l'image. Et tout à l'heure, la bite, il m'a dit OK, alors que c'était pas du tout ce qu'il y avait sur l'image. C'est scandaleux. Ils ont même pas montré ma bite. Vraiment, cette phrase, elle est... Mais vous avez vu, ils l'ont enlevé. Cette phrase était par contre, ouais, bon. Alors, Lydie. Non, mais. Putain, je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette démo juste pour sortir cette phrase, hein, vraiment. Et non pas ma bite, du coup. OMG. En fait, on prépare la map de Mario Party Superstar, c'est ça? Voilà, maintenant on peut jouer à Mario Party dessus. Autant le premier, on l'a rempli à 100%, autant celui-là. Ah là là. Mais y a pas un boss? Mais du coup, y a même pas tout le temps des boss? Genre, des fois, c'est juste... Vraiment? Il n'y a pas un boss par niveau? Après, je sais pas comment j'aurais fait un boss avec en étant pâtissière, mais... Putain. Ça a l'air court et un peu vide quand même au final, hein, du coup. Du coup... J'aurais bien dit que je m'attendais pas à ça de toi, mais... Oh, pff, ouais. Non mais le jeu doit être bien, mais genre je mettrais pas plus de 20 balles pour le jeu en fait. Faut attendre des soldes. Ouais voilà, on est d'accord. Hein. Mais le jeu a l'air cool, attention. Hein. C'est un jeu qui me tenterait bien de faire quoi. Mais genre ça me ferait chier d'être plus de 20 balles dedans, j'avoue. Hein. Totalement honnête. Hein. Je vais attendre de voir s'il y a des gens qui le revendent sur le bon coin. La démo se termine ici, vous pouvez découvrir la suite dans le jeu complet. Ben ouais, mais le jeu complet, ce sera... voilà, quoi. Au moins, je ne serais pas déçue de l'avoir payé cher. Bah, en vrai, non, je dis ça, mais... Si c'était l'époque où j'avais encore les moyens et tout, je m'en foutais de mettre 45 euros pour le jeu, même s'il durait 7 heures, tu vois. Mais à l'heure actuelle, ouais, à l'heure actuelle, ça ferait chier, quand même. Mais du coup, pour la vidéo YouTube, c'est là qu'on va se laisser. Et donc, je vous fais des bisous YouTube.